Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. Algérie au sommet africain. 1 milliard de dollars pour l'Afrique. Mais que restera-t-il pour le peuple algérien? Le président algérien Abdelmjid Tebboune ou Abdelmjid Hachakoum, tel que se plaise à l'appeler les Maghrébins, pour éviter de prononcer son nom de famille trop vulgaire en arabe maghrébin, a révélé qu'un montant de 1 milliard de dollars américains a été pompé à la soi-disant Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour financer des soi-disant projets de développement dans les pays africains, en particulier ceux à caractère intégré ou ceux qui contribueraient à faire avancer le développement dans le continent, tel qu'il avait dit dans son discours. Le président Tebboune Hachakoum a déclaré dans son allocution lors de la 36e session du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la paix et la sécurité en Afrique, qui a été lu en son nom par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, que l'agence entamera les procédures de mise en œuvre de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier, tel qu'il cite dans son discours. Le président algérien a renouvelé le soutien indéfectible de l'Algérie aux terroristes séparatistes du Polisario, qui est une organisation terroriste que l'Algérie même avait créé avec Kadhafi pour mener des attaques contre son voisin le Maroc. Abdelmjid Hachakoum, qui parlait dans son discours de peuple sahraoui, sans préciser s'il parlait de mercenaires que l'Algérie emprisonne à Tindouf ou du peuple marocain qui est déjà en millions dans son Sahara et qui gère ses affaires courantes dans une démocratie claire, loin des spéculations colonialistes de la junte militaire, des caporaux installés par la France à Alger pour semer les perturbations en Afrique. Abdelmjid Hachakoum a également parlé d'un référendum, comme s'il venait d'une autre planète, appelant l'Union africaine à assumer pleinement sa responsabilité sur la question sahraoui et à jouer son rôle. Voilà donc à quoi Tebboune et les militaires algériens proches des services secrets français veulent utiliser le milliard de dollars dont a parlé le président Abdelmjid Hachakoum dans son misérable discours. Un discours qui avait l'air de dire aux pays africains et aux chefs d'État africains honnêtes « Soyez des corrompus et je vous réserve 1 milliard de dollars chacun ». Chacun selon le degré de sa soumission au projet séparatiste financé par Alger et ses alliés. Un discours aussi qui a innocenté la France de tous ses crimes commis en Afrique, aussi bien avant qu'après l'indépendance des pays africains. Abdelmjid Tebboune qui n'avait pas honte dans son discours, car au lieu de continuer à se balader à travers l'Afrique, avec ses valises du pétrodollar pour tenter de corrompre les décideurs honnêtes de l'Afrique et qui cherchent à la développer, l'Algérie fera bien de dépenser cet argent au profit du peuple algérien qui en principe devait être le peuple le plus riche d'Afrique, pour ne pas dire le plus riche du monde entier.